attention, tu crois que j'ai fait exprès de faire tomber ce panier? Hein? Ramasse! Eh ben voilà, je ramasse! C'est pas la peine de s'énerver! Oh là là! Attends, je vais t'aider, oh là là! Allez! Oh là là, j'aurais mieux fait de rester couchée, moi, ce matin. Mais qu'est-ce qui se passe, Pélénique? Ça va pas? Je sais pas. Je suis pas tellement de morale. Remarque moi non plus. Oui, moi aussi, c'est pas la grande forme. Hein. Je te demande à quoi c'est dû. Vous voulez que je vous dise à quoi c'est dû? C'est dû au fait que Nicolas et Hélène sont partis et qu'ils nous manquent. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est vrai. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais les garçons sont de plus en plus mous. Et en plus, ils nous contaminent. C'est vrai ça que les garçons m'ont pas bien en ce moment. Vous croyez que c'est dû au départ d'Hélène et Nicolas? Mais bien entendu. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les garçons n'ont pas repris une seule répétition depuis que Nicolas est parti. Ah, mais c'est normal qu'il leur manque. Toi, deux minutes, fais-nous des vacances. Mais oui, mais tu t'assieds, tu t'assieds, t'es trop énervée pour faire le petit déj. Mais non, mais regarde, là, voilà, tout va bien, voilà. Là. Tout va bien, l'entendant, pas toi dans le sucre, voilà. Ah. Oh là. Écoutez, les filles, je suis désolée, je n'ai pas fait exprès, d'accord? Ok? Bon, en attendant, il faut qu'on parle aux garçons. Oui, bon, tu laisses tout, parce que si tu continues comme ça, ça va finir en catastrophe. Mais non, mais d'accord, mais c'est important ce que je suis en train de vous dire. Oui, c'est vrai, bon. Ça fait partie de notre rôle de conseiller nos garçons. Et voilà. Arrête. De toute façon, ça servira à rien. Parce que José m'a même parlé d'arrêter le groupe, alors tu vois. Quoi? Mais c'est pas possible. Ah, oh, mais écoute, c'est pas possible. Ça ne serait-ce que pour Nicolas et Hélène, c'est vrai. Non, il faut absolument qu'on empêche les garçons de faire une bêtise pareille. Oui. Donne-moi ce café. C'est vrai que c'est essentiel pour eux. Mais oui, c'est essentiel. Mais le problème, c'est qu'ils s'en rendent pas compte. Bon, les filles, il faut qu'on leur parle. Ça, c'est vrai, mais tu arrêtes avec le café. Regarde, tu en mets partout. Bon, mais d'accord, excusez-moi. Oh. De toute façon, je suis bonne à rien ce matin, alors je ne fais pas de petit déjeuner. Je vais m'asseoir. Voilà. Quelque chose, moi. Ce matin, je parle aux garçons. Et ben moi aussi. Tiens, pour une fois, je suis d'accord avec toi, dis donc. Oh là là. Oh là là. Salut les filles. Salut tout le monde. Salut. Mmh, ça sent bon là. On va se régaler. Qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon là? Le café. Qu'est-ce qu'il y a? Y a un problème? Bon, les garçons, asseyez-vous, il faut qu'on vous parle. Attendez, j'ai rien fait moi, Bénédicte. Moi non plus, ma chérie. Et j'ai compris. C'est Gaston, il vous a raconté des trucs encore, c'est ça? Mais non, hein? Mais laissez-le tranquille, Gaston, il a rien fait. Ça a absolument rien à voir. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, les garçons, Nicolas et Hélène sont partis, vous êtes d'accord? Ouais, ils nous ont appelés, tout va bien, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont appelé, il y a un problème? Mais non, il n'y a pas de problème. Et je trouve que depuis qu'ils sont partis, ben... Vous n'êtes pas allés répéter au garage, c'est quand même bizarre. C'est pas bien, quoi. Bah ouais, enfin on n'a pas eu tellement de temps. Hein. Ouais. Mais non, mais ça c'est un faux prétexte, enfin. Ce qui se passe, les garçons, à la vérité, c'est que vous vous ramollissez. Voilà. Tu racontes quoi, on se ramollit? Mais surtout, on n'a pas eu le temps, c'est tout. Non, mais écoute, c'est vrai, c'est pas bien ce que vous faites. Pourquoi vous ne vous remettez pas au travail? C'est vrai, ça, qu'est-ce qui se passe? Vous aimez plus la musique ou quoi? Mais non, tout va bien, il faut simplement nous laisser le temps de trouver un guitariste. Bah ouais, c'est pas facile. Non mais attendez, si vous cherchiez vraiment un guitariste, ça fait belle lurette que vous l'auriez trouvé. Ah non, non, non. Ah non, je te promets, c'est pas évident de trouver un bon guitariste. Bah ouais, on a mis une annonce chez Roberto et on a toujours pas de nouvelles, hein, rien. Je sais pas, moi, bougez-vous, mais mettez-en encore dans les magasins de musique, dans les magasins de disques, dans les grandes surfaces, je sais pas, moi, mais bougez-vous un peu. Oui, trouvez un endroit où on peut trouver les musiciens. Vous allez pas abandonner comme ça. Mais qui vous parle? Mais qui vous parle d'abandonner? Attendez, mais ça va pas ou quoi, là? Bah nous, on a l'impression que vous voulez arrêter le groupe. Mais non, on veut pas arrêter. Jamais. Non, ce qu'il y a, c'est... Bon, c'est vrai que le fait que Nicolas soit parti, on s'est senti un peu seul, quoi. On a un petit peu de mal. Mais ça va aller, vraiment. Bon, bah alors, il faudrait que ça aille vite, bien. Ouais. Parce que ça commence à bien faire. Et puis, quand vous trouverez un guitariste, eh ben, arrangez-vous pour qu'il soit mignon. Parce que ce qui serait bien, c'est que je puisse le caser avec Linda ou alors avec Manuela. Ah bon? Ah oui, super. Elle dépasse toujours les limites. Ah là là, en tout cas, ça me fait bien plaisir de vous voir bouger comme ça. Moi, j'étais très inquiet. T'as cru qu'on allait arrêter le groupe, toi aussi? Bah ouais, carrément. Après le départ de Nicolas, je sais plus du tout où on était. Tu sais, on est très bons musiciens, c'est vrai que Nicolas composait la plupart des titres, mais toi aussi, t'as écrit. Y a pas de raison que ça s'arrête, on peut continuer. Hein. Oh, je suis d'accord avec toi. Mais bon, tu sais, pour José et moi, c'était pas facile quand même, le départ de Nicolas, le temps d'accepter ça, prendre le recul. Tu parles, je comprends. Ça va mieux maintenant? Ouais, non, ça va, là. Ouais.
Et tout est redevenu normal, José est en retard. Alors lui, eh non mais t'imagines s'il était à l'heure ou s'il avait plus son sale caractère, je serais triste à mourir. Ouais, enfin bon, j'ai passé les bornes là quand même. Ouais. Dis-moi Sébastien, je peux te poser une question? Bien sûr. Hein. Le déclic, ça a été quoi? Qu'est-ce qui vous a fait réagir? Les filles? Oh. Bah oui, elles nous ont parlé, elles nous ont dit qu'on se ramollissait, que ça allait pas du tout. Oh, c'est pas vrai, elles vous ont dit ça? Tu sais, on serait rien sans elles, on serait paumé. Ah là là, vous en avez de la chance, hein. En attendant, j'espère qu'on va trouver un guitariste aussi bon que Nicolas, ça va pas être facile, ça. Écoute, ça dépend, si Eric Clapton ou John McLaughlin acceptent nos propositions, ça devrait aller. Oh, mais ce serait le rêve. Et... Tiens, salut. Ah, Nathalie. Salut, Nathalie, ça va? Je peux m'asseoir avec vous? Bien sûr. Merci. Comment vas-tu? Bah, pour tout vous dire, plutôt pas mal. Mm-hmm. Je suis vraiment le grand amour avec nos copains. Alors là, je crois qu'on peut le dire, on est ravis pour toi. Ouais. Et Christophe, vous avez des nouvelles? Ouais. Ouais, il a appelé, ouais. Il est bien arrivé. Ouais. Enfin, j'espère vraiment qu'il va être heureux là-bas. Et qu'il va rencontrer quelqu'un. Il mérite vraiment... T'inquiète pas, ça lui arrivera bientôt, j'en suis sûr. J'espère. Bon, moi, il faut que je vous laisse, je vais chercher mon copain et on va au ciné. Ah, bien, bah écoute, bon film. Hein. Ok, puis vous en pensez tout le monde pour moi? Nous n'y manquerons pas. Ok, allez, salut. 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 Tu pars? Tiens, salut José. Ouais, à bientôt. Bah, c'est jour, ouais. Salut, fille. Pas que tu vois l'enfance? Bah ouais. Hein? Je présente Cynthia. Moi, si toi, je vais te les présenter, tu vois, ils sont beaucoup même chacun dans mon année. José. Oui. Je croyais qu'on travaillait aujourd'hui. Bah, qui dit le contraire? Voilà Cynthia, notre nouvelle guitariste. Alors? Les filles, vous savez ce qui serait hyper cool? Ce serait qu'il soit super mignon. Qui ça? Mais le nouveau guitariste, bien sûr. Oh, il faudrait qu'il soit blond, avec les yeux bleus. Qu'il est encore super musclé. Et attends, Lali, parce que je pensais que le nouveau guitariste, c'était pour Manuela et moi. Tu te mets sur la liste maintenant, toi aussi? Non, hein? Pas du tout, je pense à vous. Mm-hmm. Je trouve que ce serait bien que pour une fois, vous ayez un petit copain mignon, tiens. Bah c'est sympa de ta part, merci Lali. Non, mais c'est vrai, d'ailleurs, il va falloir décider laquelle des deux va l'avoir. Oh. Ah non, mais toi qui as choisi pour elle, Lali, elles en seront ravies, j'en suis sûre, hein? Ouais, carrément. C'est vrai? Bah... C'est vrai, vous voulez bien que je décide pour vous? Regarde mes lèvres. No. No, no, no. Non, mais attendez, les filles, il va y avoir un problème. C'est vrai, moi, je veux pas qu'il y ait de dispute. Seulement, le problème, c'est que vous êtes deux et lui, il est tout seul. Ah. On t'explique un petit détail. C'est qu'on est assez grande pour se choisir des petits copains. Merci, Lily. Ah ouais. Ah, la preuve. Moi, ouais, c'est vrai. Vous êtes toutes les deux célibataires. Ah, bah ça, je vais les tuer. Ah non, non, je t'en supplie. Laisse-moi le faire. Ah ouais, non, mais tout ça, c'est parce que vous n'acceptez pas que je vous dise la vérité. Alors là, c'est sûr, c'est moi qui la tue. Allez, je ferai quand même gaffe à ta place. Elles sont deux, hein. Puis elles sont costauds, hein. Moi, elles ont l'air très méchantes. J'ai très, très peur. Bon, allez. Viens avec moi, on va faire de la gym. Non, c'est pas mon jour de gym aujourd'hui. Eh ben, t'en feras quand même. Hein? Parce qu'avant de dire au garçon qui sera mouillé, il faut mieux te regarder. Quoi? Ah, parce que tu trouves que hein? Bon, bah, nous aussi, on en fait du sport, ça nous fera du bien. Allez, pose-toi. Allez. Allez, Lali. Bon. Ce qui serait cool, c'est qu'il soit hyper musclé et qu'en plus il joue de la musique comme un dieu. Oh. Les filles, à mon avis, j'ai l'impression qu'on va passer une petite période guitariste. Je le sens bien, ça. Mm-hmm. Allez, allez, les abdos. Allez. Non, j'ai pas envie.
Cynthia, mais... Non, mais c'est super. Merci. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vais dire une chose, moi, non seulement t'es très belle, mais en plus tu joues comme une déesse, c'est incroyable. Là, tu crois pas que tu exagères un peu, là, José? Non, il a raison. Où est-ce que t'as appris à jouer comme ça? Oh, ça, c'est compliqué. Mais vas-y, on t'écoute. Oh là, vous voulez que je vous raconte toute l'histoire? Mais Cynthia, on veut entendre toute l'histoire. Si tu veux faire partie de ce groupe, il faut qu'on te connaisse. Ah, alors, vous avez raison. Par où commencer? Eh bien, par le début. Alors, tout a commencé quand j'étais plus jeune. Mais non, écoutez, c'est vrai. Mon frère a joué la guitare tout le temps dans sa chambre, l'ampli à fond. Oula. Et un jour, il a fait tellement de bruit, je suis entrée avec un marteau et je lui crève son ampli. Quoi? Non, t'as fait ça, toi? Oui. Seulement quand j'ai vu la tête qu'il a fait après, je me suis dit, j'ai dû faire une bêtise. Ah bon? Alors, j'ai économisé pendant des mois pour pouvoir lui racheter l'ampli. Quand je lui ai lassé l'argent, je suis entrée dans un magasin de musique. Et là, je vis toutes ces guitares, les unes plus belles que les autres. Ouais, c'est le coup de foudre, quoi. Exactement. Alors, j'ai appris le solfège, et c'est mon frère qui m'a donné le réel envie de jouer. Il m'a offert ma première guitare, et j'ai plus jamais crevé son ampli. Et depuis ce jour, ma maman, elle s'est acheté les Walkies. La pauvre, déjà, un ampli, c'est dur, mais alors deux, bonjour, les dégâts, hein. Bon, dis-moi, après, qu'est-ce qui s'est passé, ma grande? Mais déjà, je fréquentais les mondes des musiciens, les salles de répète, les groupes. Enfin, vous connaissez vous ça aussi? On connaît même que ça, hein. Regarde un peu autour, c'est... Ouais. Et puis, je suis tombée amoureuse du lead d'un groupe. Ah. Waouh, belle histoire, j'espère. Enfin, on a vécu 2 ans ensemble. Malheureusement, elle s'est tuée en voiture. Pardon, je suis désolé. Non, tu pouvais pas le savoir. Hein. Et ça fait longtemps, cette histoire? Il y a que 6 mois. Je me remets seulement. Je peux même vous dire, j'ai retouché à ma guitare que cette semaine. Je voulais me rassurer que je savais toujours jouer. Bah, je veux dire, tu joues bien. Mais moi, si t'as rejoué que depuis cette semaine, pourquoi t'étais au magasin? Je viens de dire bonjour à quelques copains. Et c'est le hasard qui a fait qu'on s'est rencontrés, José. Ah. Et quand je t'ai entendu parler avec Philippe, celui qui tient le magasin, je me suis dit, c'est peut-être ma chance. Et puis, t'avais l'air sympa. C'est pas la classe, ça, les mecs, hein? Tu parles la classe. Attends qu'elle te connaisse un peu mieux, tu vas voir si elle dira la classe après. Mais c'est vrai, vous avez l'air tous sympas. Et vous jouez également tous très bien. Mais merci, c'est gentil. Mais non, c'est sincère. J'adore vos compositions, vos arrangements, enfin tout, quoi. Et je serai ravie si vous m'acceptez dans votre groupe. Ben écoute, ça marche. Tu fais partie du groupe. Ok? Ça nous fait très plaisir que tu sois là. Moi, je suis certaine qu'ils vont prendre un guitariste bien moche pour être sûr qu'on ne craque pas dessus. Eh ben moi, tu vois, j'espère bien, parce que comme ça, tu ne pourrais pas t'amuser à le caser avec lui. Mais les filles, mais la beauté, c'est important quand même. Il faut être difficile un petit peu, non? Mais ça suffit, Lali. Non, mais elle mérite l'enfer, des fois. Attends, pas l'enfer, le paradis, parce que je suis sûre que tu te ennuierais à mourir là-haut. Mais vous arrêtez, là. Et avant d'espérer trouver un guitariste mignon, il faudrait déjà en avoir un. Ouais, c'est vrai, t'as raison, ouais. Voilà. Salut les filles. Ah, salut Nathalie, comment ça va? Super bien. Je suis le grand amour, là. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point je suis heureuse. Ah ben... On est content pour toi. C'est vrai? Vous ne m'en voulez plus pour Christophe? Non, arrête avec ça. De toute façon, Christophe nous a donné des nouvelles et tout va bien. Ouais, je sais. Il va bien maintenant, je sais. C'est ce que je disais au garçon tout à l'heure. Ah ouais, t'as vu le garçon? Oui, ils étaient ici, mais... Et José est arrivé avec une super fille, d'ailleurs. Attends, tu peux répéter, là? Oh, la tête que tu fais. La tête que je fais, je voudrais bien voir ta tête s'il disait un truc pareil. Tu disais, alors? J'ai fait une gaffe, là, non? Rien, José est arrivé avec une fille pas mal du tout, quoi. Quoi? Comment ça, pas mal du tout? Ça veut dire quoi, pas mal du tout? Ça veut rien dire. Oh, la tête que vous faites toutes les deux, là, c'est... Oui, vous pouvez parler, vous, évidemment. Vous êtes célibataire, alors vous ne risquez rien, ça, c'est sûr. Voilà. Oui, mais en attendant, on ne tremble pas à chaque fois qu'une fille se proche des garçons. Bon alors, qu'est-ce qu'il faisait avec cette fille, lui?
Mais rien, enfin je sais pas, Béné, mais t'affole pas, c'est pas la peine. Bon, c'est bon, moi j'y vais. Et tu vas où, toi? Je vais au garage parce que je suis certaine que les garçons ont emmené cette fille là-bas pour être tranquille avec elle. Ouais, enfin, mais c'est pas la J'aurais mieux fait de me taire, non? Oui. Mais je crois que c'est trop tard maintenant. Donc tu viens, toi? Bah oui, je suis prête, oui. Allez, on y va. Oui, ben moi j'y vais aussi. Parce que là, ça va être trop drôle, je veux surtout pas le faire. Oui, allez, on y va. Bon, salut, Nat. Bon, bah. Salut. Quelque chose qui va pas, José? Non, ça va très bien. Je voulais juste voir la couleur de tes yeux de plus près. Ils sont bleus. T'es sûr? J'en suis sûr. Tu sais, je pense à une chose, c'est pas un hasard si on s'est rencontrés. Hein. Ça y est, c'est parti, là. Tu vois, tel qu'il est, là, il va bientôt bondir de ses starting blocks. Qu'est-ce que tu dis, Sébastien? Oh, rien, rien. En revanche, moi, je te disais que c'était pas un hasard si on s'était rencontrés. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Oui. Je pense que c'est tout à fait un hasard qu'on soit rencontrés. Et même si tu me donnais la chance de jouer dans ces groupes, c'est toujours pas une raison de me draguer, José. Cynthia. T'inquiète pas, il est pas méchant. Mais tu vois, à chaque fois, c'est la même chose. Dès qu'il voit une fille, il peut pas s'empêcher de faire le coq. Et est-ce qu'il y a un moyen qui soit assez efficace pour le décourager? Il y a un moyen extrêmement efficace. Tu lui parles de sa fiancée, hein? Tu lui dis qu'elle est très jolie et qu'il n'a aucune raison de te draguer. Elle s'appelle Bénédicte. Ah, merci les mecs, c'est vachement sympa ça. Viens. Mais non, mais écoute, José, sois sérieux un peu. Cynthia est là en tant que guitariste dans notre groupe. Ouais. Hein? C'est pas une fille que t'as croisée comme ça dans la rue, dans une boîte. Alors tu te remets un petit peu les idées à l'endroit, puis t'arrêtes. José, et Cynthia, elle est là pour jouer avec nous, alors tu te calmes, d'accord? D'accord, je me calme. Je vais me calmer, ouais. Je peux quand même lui dire, hein, qu'elle a toutes ses chances avec moi. Merci, José, j'avais compris. Hein. Sans rancune. Allez, sans rancune. Salut! Salut. Salut. Allez, filles, c'est sympa de venir nous voir. C'est sympa, hein? Et qui est cette charmante personne? On vous présente Cynthia, c'est notre nouvelle guitariste. Bon, vous avez fini de faire la tête? On fait pas la tête? Non, pas du tout. Bon, tu peux demander à Manuela ou à Linda, on est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'elles ont? Écoute, je sais pas, c'est peut-être à propos du guitariste. Oui, exactement, c'est à propos du guitariste. Je trouve ça complètement nul d'avoir pris guitariste. Exactement. Et je parie que c'est encore toi qui as eu cette superbe idée. Pas du tout. Non, pas du tout, c'était un hasard. Je suis arrivé dans un magasin de musique pour déposer mon annonce et je discutais avec le patron. Quand cette fille est arrivée vers moi en me disant qu'elle était guitariste et que si ça m'intéressait, elle pouvait venir faire un essai. Voilà. Ah oui, un essai. Et quel genre d'essai? Alors toi, tu t'adresses à Sébastien, t'as compris? Tu commences pas à mettre la pagaille entre Béné et moi. Je suis entièrement d'accord avec Lali. Quel genre d'essai? Bon, alors voilà. On lui a demandé de jouer un morceau, elle a pu nous démontrer qu'elle jouait parfaitement bien de la guitare et on l'a engagée, on lui a dit qu'elle faisait partie du groupe, voilà. Ah oh, mais ça c'est complet. C'est génial. En une journée, vous pouvez savoir si un musicien est bon ou pas bon. Alors ça, mais c'est bien cool. Sûr, évidemment. Quand un musicien est bon, c'est pas la peine de le tester pendant une semaine. Mmh. Oh, super. Bon. Elle a un petit copain? Elle avait. Un petit copain est mort dans un accident de voiture il y a 6 mois. Et on s'est dit justement que pour ça, c'était... peut-être pas mal de la prendre dans le groupe, ça lui remontrait le moral. Ah ouais, parce que vous jouez les psys maintenant. Bravo, oh. Bravo. Elle sait pas où elle est tombée, elle. Hein. La pauvre. La pauvre. Oh là là, les filles. Vous voulez pas vous calmer? À mon avis, cette fille est correcte. Elle va pas piquer vos petites amies, là. Oh, il faut pas voir le mal partout. Mais on ne voit pas le mal partout. On essaye d'être logique. Une fille seule dans le garage avec des garçons tels qu'on les connaît, eh ben, il y a de quoi s'inquiéter. Je suis désolée. Elles sont mignonnes. Si jalouse. Ne vous inquiétez pas. Elle joue très bien, cette fille. Grâce à elle, on va pouvoir redémarrer le groupe. Ça, c'est bien.
Ouais, bah ça c'est clair, ouais. Vous avez trouvé une super motivation. Et votre copain Nicolas, vous l'avez vite oublié, hein. Thank you.